Et là, Rosenthal qui préfère prendre sa chance. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux sur cette action? Ah non, il y avait Berkovic juste à côté de lui qui s'engage à chaque fois. Et là, le jeu israélien qui est maintenant bien en place. Berkovic encore sur Marco Balbul. Hazan va peut-être se mettre en position de frappe comme il l'a fait en première période. Il avait tiré deux fois de loin. Rosenthal, une frappe enveloppée. Difficile à faire, mais bien tenté. C'était Revivo en fait qui avait tenté ce geste. Encore un gaucher israélien. Et encore une action bien conçue. Berkovic pour Revivo. Et pendant ce temps-là, Shlomo Scharff qui a effectué son premier changement avec la sortie de Talbanin, remplacé par Nimni. Vous l'avez dit, Talbanin qui revient légèrement de blessure. Qui a quitté la Escan un petit peu avec regret, qui est venu poser ses valises à la Pôle Haïfa. Le club entraîné par Mordechai Spiegler, le recordman des sélections. En Israël, bien sûr, avec 77 sélections, qui a connu un début de championnat très très délicat. Trois défaites en 4 journées, par exemple, ça faisait beaucoup. Nimni, justement, qui touche son premier ballon. L'équipe slovaque qui s'est regroupée devant ses buts. Attention, Berkovic. Frappe de Berkovic directement, malheureusement pour lui, sur Ladislav Molnar. Ça commence à faire beaucoup d'occasions pour cette équipe d'Israël face à la Slovaquie. Oui, progressivement, la Slovaquie qui décroche un petit peu, qui redescend très vite devant ses 18 mètres. Et la France, regardez le temps qu'a Berkovic pour frapper. C'est quand même assez étonnant de la part de cette défense slovaque. Il vient de se rendre coupable là, d'une faute de Vladimir Kinder. Est-ce que l'arbitre l'a vu? Est-ce qu'il va y revenir ensuite? Qui est tiré par le maillot et proprement balancé son adversaire. Et obstruction. Et voilà, Revivo qui vient se plaindre auprès de M. Blankenstein du geste de Kinder. Et l'obstruction de Balbul sur... Moravtchik, le capitaine. Qui joue bien le coup car l'obstruction était très juste. Dubovski en profondeur, attention, face à face important. Et ce sera une sortie de but. Ah, c'est pas facile là pour Dubovski devant. Les Slovaques ont le vent favorable dans cette seconde période. Mais toujours de partout. Et les Israéliens qui commencent à prendre un petit peu plus le dessus, à remonter plus vite les ballons. Et là, trop vite, avec Marco Balbul qui a manqué son contrôle. Et la relance de Kinder est contrariée. Moravtchik qui joue en position de plus en plus défensive. Et c'est tout le bloc slovaque qui recule. Oui, ils n'ont pas trop le choix. À 10 contre 11. Et sur la qui dispute là son deuxième match de compétition. Deuxième match officiel, bien sûr. Depuis la partition avec la République tchèque le 1er janvier 1993. Il y a eu quelques matchs amicaux. Certains joueurs ont déjà porté le maillot de la Tchécoslovaquie. La République tchèque qui générait habituellement les meilleurs joueurs du pays. Ballon bien écarté pour Rosenthal côté gauche. Au centre pratiquement au premier poteau qui aurait pu surprendre Molnar. Ah, il a vu Molnar un petit peu avancer, anticipé sur le centre. Il a préféré frapper de suite au but. Ah, ça peut marcher. Mais au départ de l'action, encore une récupération de Berkovic. Romney Rosenthal qui reste le pilier de cette sélection israélienne, surtout en l'absence d'Attar, l'un des tout meilleurs joueurs du pays, mais qui est actuellement suspendu par son club pour des raisons disciplinaires un petit peu obscures. Ballon en retrait jusqu'à Ginzburg qui relance côté gauche. Israël qui ne veut pas se contenter de ce partage des points. Hazan.
avec Berkovic. Jusqu'à Balbul, c'est le schéma actuellement dans cette équipe d'Israël. On passe côté droit. Oui, on essaie de faire sortir cette équipe slovaque qui a pris le parti de se regrouper devant sa surface de réparation. Attention à la frappe d'Azan. Ça fait deux fois qu'il feinte et deux fois que ça ne fonctionne pas. Il faut peut-être bien de reprendre sa chance de loin. Il avait été très menaçant en première période sur ses tirs justement. Vladislav Molnar qui prend un petit peu son temps. Les circonstances font que pour l'instant ce 2-2, eh bien, c'est presque une bonne récompense pour la Slovaquie qui apparaît encore une fois quand même très faible. Ah, c'est un bon résultat si le score en restait là. Et ça doit quand même laisser quelques regrets à l'attaque tricolore car il y a eu peut-être quelque chose à faire à Bratislava avec davantage d'enthousiasme. L'engagement du côté des Slovaques était tout autre. Là, ils paraissent assez empruntés, lourds. Moravčík, tout le ballon passe par lui. Weiss à ses côtés. Moravčík encore, qui va y aller peut-être tout seul. Ah, il est obligé de faire un exploit individuel pour donner un bon ballon. Il y avait la faute, c'est certain, même si le ballon n'était plus franchement en jeu. On aura peut-être le droit à un ralenti tout à l'heure et sur la contre-attaque, c'est Ronny Rosenthal qui hérite du ballon. Avec Arazi. On a évité le corner du côté slovaque, mais grosse, grosse menace avec cette percée dans l'axe. Moravčík qui demandait le ballon. Et le joueur israélien reste au sol pour l'instant. Klinger, le capitaine israélien. S'est blessé sur l'intervention précédente avec ce ballon en profondeur de Moravčík. Et l'intervention sur Dusan Titel. Titel. En fait, c'est pas penalty. Ah, il s'est blessé tout seul, Klinger. Klinger qui était déjà incertain. Ça faisait partie des deux joueurs qui étaient douteux, Ronan Arazi et Enir Klinger. Le capitaine et le joueur de Maccabi Tel Aviv finalement a pu tenir sa place alors qu'on attend la civière. Un gros coup dur pour cette équipe israélienne. Et la cheville. Maccabi Tel Aviv qui avait été sorti au premier tour de la Coupe des Coupes par le Werder Bremen. Mais en fixant pourtant un match nul 0-0 avant de s'incliner 2-0. Ça prouve les progrès du football israélien. Progrès confirmé avec ce 2-2 pour l'instant. Alors qu'il y aura peut-être l'entrée dans quelques instants de Amir Shella. Encore un joueur du Maccabi Tel Aviv. Klinger touché sérieusement à la cheville. Ah, la cheville qui a pivoté. Mauvais appui. Tout le corps sur la cheville et obligatoirement eh bien, niveau ligamentaire. Pour être tout, tout à fait honnête, Shlomo Scharf n'avait pas voulu nous dévoiler la nature de la blessure de Klinger. Il faut espérer que ce n'est pas cette cheville qui était déjà un petit peu touchée. Car là, ça a l'air bien plus sérieux pour le capitaine et défenseur central de cette équipe nationale d'Israël. Entrée donc en jeu du numéro 12. Amir Shella, un autre joueur du Maccabi Tel Aviv. Ce qui fait que deux changements ont été effectués maintenant du côté israélien. Puisque Banin, lui, avait cédé sa place peu de temps auparavant. Avi Nimni. Israël qui est en train de se laisser faire et de se déconcentrer surtout. Attention à Weiss à l'entrée de la surface. Décidément, les frappes ne sont pas terribles aujourd'hui à Ramat Gan. Frappe écrasée de Weiss. Au moins du côté slovaque, hein, car du côté israélien, on a été performant dans ce secteur. Et pourtant, il était en bonne position. Là, avec pas mal d'espace. Ballon encore trop vite perdu par Israël. Les Slovaques qui ont l'air un tout petit peu mieux. C'est aussi du fait d'Israéliens qui ont baissé de pied. Duboski bien sûr toujours dans l'axe. Physiquement un petit problème du côté israélien. On a Christophe qui n'arrive pas à centrer. On a du mal à hausser le rythme.
Alors que le malheureux Nierklinger semble continuer à souffrir très sérieusement de sa cheville. Berkovic pour ressortir cette balle pour Israël. C'est vrai aussi qu'en première période, ils ont dû fournir de gros gros efforts pour revenir dans la partie et revenir à 2 partout. Après avoir été mené, on vous le rappelle, 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Revivo avec son pied gauche. Ah, ça bouge beaucoup moins là du côté israélien. Et attention au contre. Avec un contre qui a été amorcé par Titel. Et là, bonne tête en retrait pour le gardien. Balbul. Moucharf qui a tendance un petit peu à s'énerver actuellement sur son banc. On le voit se lever régulièrement. Avec beaucoup d'agitation. C'est vrai que le match semble à leur portée à ces Israéliens. Mais pour l'instant, le score est toujours de 2 partout. Encore un ballon perdu bêtement dans l'axe. Israël joue moins bien actuellement. Ah, il y a moins de possibilités autour du porteur du ballon, moins de mobilité. Et Moravchik qui repart pratiquement en position d'arrière-gauche, obligé de jouer avec son libéro Glonek. Ouais, le ballon est sorti. Ouais, côté israélien, Klinger qui sort, qui a gardé son brassard de capitaine. Pour l'instant, il n'y a plus de capitaine sur la pelouse. Si ce n'est celui de la Slovaquie, et c'est lui qui a le ballon, ça tombe bien avec ce centre de Moravchik. Pour personne, si ce n'est pour Moshe Glam. Glam qui repart sur l'aile gauche. Avec Berkovic juste à côté de lui. Ah, ça va beaucoup, beaucoup moins vite. Revivo. Revivo qui cherche une solution, ça devient plus difficile. Ouais, grand pont de Berkovic. Et le deuxième, rattrapé in extremis par Kinder. Moravchik qui a été repoussé par Balbul. Balbul qui conserve la maîtrise de la balle et qui peut redonner derrière lui à Revivo. Bonne transversale et bonne feinte. Il y avait une faute au passage sur Nimni. Nimni qui conserve. Nimni encore qui va pouvoir centrer. Centre contré, Rosenthal est derrière en soutien. Nimi devant Christofic. Et Nimi qui va aller bien sûr au pressing sur Stupala. C'est quand même étonnant qu'Israël n'aille pas chercher encore davantage cette équipe de Slovaquie, surtout à 11 contre 10 depuis la fin de la première demi-heure de jeu. Ouais, je crois que c'est un problème physique avant tout. L'occasion là peut-être d'emballer encore la partie avec Berkovic. Revivo est sur le côté droit. Hazan qui préfère centrer. Et actuellement, tous ces ballons arrivent pour les défenseurs slovaques. Oui, il n'y a plus personne en pointe du côté slovaque. Même Petar Dubovski qui est en train de plonger. Alan Hassan. Et puis le match va avancer bien obligatoirement. La Slovaquie va se contenter de ce score de 2 partout. À l'entrée de la surface, il n'y aura pas coup franc. Un pressing sur le porteur du ballon. Ensuite, on cherche très vite devant. Et encore une fois, l'inévitable Petar Dubovski. Peut-être une frappe du pied droit. Ah, si les frappes israéliennes sont bonnes, toutes les frappes du côté slovaque sont écrasées. Enfin, pour Dubovski, c'est pas facile du tout. Seul face à la défense israélienne. Il faut non seulement qu'il contrôle le ballon, qu'il le garde dans les pieds, ensuite qu'il aille se procurer les occasions. Tant le soutien de ses partenaires est quand même... très très loin. L'équipe de France d'Aimé Jacquet qui a très certainement des enseignements à tirer de cette partie, notamment au niveau de la fraîcheur physique. La seconde période devient délicate pour Israël, même si les joueurs de Shlomo Scharf conservent le plus souvent le monopole du ballon. Il y a une accumulation de mauvaises passes à la bord de la surface. Et oui, parce qu'il n'y a pas de proposition pour le porteur du ballon. Autant en première période, il y avait des plongées, on avait vu souvent en Berkovic. Autant là, ça paraît statique et pourtant il y a des possibilités. Avec une position de hors-jeu de Christofic, ce sera dans la foulée logiquement l'avertissement. De Berkovic, Christophe. Et j'ai dit quoi ? Christofic. Christofic, c'était de l'autre côté.
et Berkovic qui n'échappe pas à la sanction de John Blankenstein. Il n'y a pas hors-jeu du tout sur cette action. Ah, il est couvert par Glonek. Par Glonek et par l'autre joueur slovaque à l'extrême droite. Et Weiss qui va laisser sa place à Kozak. Kozak qui était déjà rentré face à l'équipe de France et qui fête là sa deuxième sélection pour la Slovaquie. Il n'en avait aucune lui pour la Tchécoslovaquie. Et pour terminer avec l'équipe de France face à Israël, le premier rendez-vous entre les deux nations est fixé au 29 mars 1995 au stade de Ramat Gan bien sûr. Les Français qui viendront se préparer dans la retraite fétiche actuellement de l'équipe d'Israël à une vingtaine de kilomètres au bord de la mer, une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv. C'est là où Henri Émile est venu réserver. Henri Émile, l'intendant de l'équipe de France, adjoint d'Aimé Jacquet, qui est bien sûr présent à Tel Aviv ce soir. Avec une nouvelle tentative de Nimni. Un jeu qui devient très très décousu. Avec beaucoup de difficultés pour s'approcher devant les buts de Molnar. Le jeu s'étiole et dans ces conditions, autant donner du sang frais aux deux équipes. Les deux changements ont été effectués du côté israélien. Voici le second du côté slovaque avec la sortie de Rusnak, remplacé par Vladislav Zvara. Zvara, joueur du Tatran Presov, qui aura un rendez-vous lui important en Coupe d'Europe la semaine prochaine. Deuxième tour de la Coupe des Coupes face aux Espagnols du Real Saragosse. Et attention à Zvara, c'est un bon buteur. Il a réussi notamment deux buts face aux Écossais de Dundee au premier tour de cette Coupe des Coupes. Et Zvara qui était titulaire lors du premier match face à l'équipe de France. Et qui a dû laisser sa place depuis l'arrivée de Dubovski. Hazan. Complètement manqué. Le dernier quart d'heure, Fabrice pourrait quand même bien nous réserver une petite surprise. On a l'impression que les Israéliens sont en train de perdre pied complètement. Il n'y a plus de liant dans leur jeu parce que physiquement ils ne peuvent plus donner ce qu'ils ont donné pendant la première période. Et sur un contre avec ces longs ballons donnés par Morachi, Dubovski peut se retrouver en bonne position et pourquoi pas Zvara qui vient de rentrer en jeu. Donc les deux attaquants de pointe, soit Weiss ou Rusnak, sont sortis. Il y a des hommes frais à leur place, Kozak et Zvara. Et Moravchik, lui, est toujours aussi peut-être clairvoyant. Centre contré au départ. Et voyez, encore une relance mal assurée qui profite à Kinder. Oui, pas beaucoup de solutions quand même pour Kinder. Christofik qui cherchait Dubovski dans l'axe. Et là, on a voulu le coup franc. C'était manqué. Ballon bien écarté. Christofik. Oh, attention à lui. A beaucoup d'à-propos là. Ça vient juste physiquement pour Israël. Ballon perdu par Ronen Arazi, un petit peu distrait. Il faisait partie des deux joueurs, donc on vous l'a dit, douteux avant cette rencontre. Il n'a pas l'air au mieux physiquement actuellement, Ronen Arazi. Lui qui est habituellement très rapide. C'est lui qui avait été décisif face à la Pologne. Et à 10 contre 11, ce sont les Slovaques qui tiennent le mieux le ballon. Physiquement, ils terminent beaucoup mieux la partie. Moravchik, contrôle manqué. Et on a aperçu, vous l'avez peut-être aussi aperçu, les difficultés de récupération des Israéliens actuellement. On a deux buts partout, ça va peut-être finalement faire l'affaire des deux équipes. Et actuellement dans ce groupe 1, on ne sait pas trop quel aurait été le résultat idéal pour l'équipe de France. Il faudra demander ça ce soir à Aimé Jacquet. Ce que ne manqueront pas de faire Christophe Joss et notre confrère de France Football, Patrick Lafayette, à Mielec pour le match entre la Pologne et l'Azerbaïdjan. La Pologne qui avait été battue justement par cette équipe d'Israël de buts à 1 ici même, le 4 septembre dernier. Sur un exploit de Ronen Arazi, double exploit là. Arazi qui n'a pu redresser la course du ballon suffisamment.
Voilà, on cherche systématiquement loin devant du côté slovaque pour repousser le plus vite possible cette équipe israélienne. Encore et toujours Petar Dubovski. Une touche effectuée par Marco Balbul avec Rovivo. Rovivo aussi a décliné. Berkovic également. Rovivo qui est redescendu d'un cran dans cette seconde période. Le voilà, voici. Nouveau servi. Il y a Balbul sur le côté. Il y a beaucoup moins d'accélération. En première mi-temps, il aurait réussi à faire la différence sur cette accélération. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. C'est malgré tout une touche pour Israël. Pour constater les 10 dernières minutes de cette rencontre du groupe 1 de l'Euro 96. Ballon en profondeur de Nimni. Côté gauche, il y a du monde avec le coup de tête. Ça passe juste au-dessus, encore une fois, Roni Rezenthal. Qui décidément aura été malheureux ce soir avec la tête. Superbe occasion avec au début cette ouverture sur le côté gauche. Centre au deuxième poteau et Rosenthal qui se précipite pour mettre sa tête. Ah, il a eu trois occasions dans cette seconde période. Long centre au deuxième poteau. Molnar qui ne peut sortir. Et Rosenthal qui jaillit au deuxième poteau. Malheureusement pour les Israéliens, au-dessus de la barre transversale. Se donner une crampe dans la foulée. Il faut dire qu'à Tottenham, il joue peu ou pas même. Donc problème de rythme évident aussi pour Roni Rosenthal, qui aura eu quand même l'occasion par deux fois en seconde période de donner l'avantage à son équipe. À la plus grosse occasion en début de seconde période avec cette tête plongeante qui est passée juste à côté du poteau de Molnar. Le ballon circule avec Glonek. Titel. Yann Titel qui a dévissé son tir. Milieu de terrain du Slovan Bratislava. Le Slovan Bratislava qui compose l'ossature de cette équipe. Seul club slovaque d'ailleurs de l'histoire à avoir remporté une Coupe d'Europe. Ça ne vous rajeunit pas, enfin oui, c'est en 69. Ah, ça ne rajeunit personne, Christophe. Personne. Allez, ça repart pour Israël. Israël qui aurait bien aimé réussir le break, mais ça va être dur maintenant dans les dernières minutes. Voyez encore ce mauvais contrôle, faute d'inattention. Et j'irais même jusqu'à dire faute de fatigue pour le défenseur Marco Balbul. Un manque de vivacité, ce qui est bien logique après plus de 80 minutes. Titel qui a joué en profondeur. Titel qui était encore à la réception mais devancé par un défenseur israélien. Rosenthal qui est reparti avec Berkovic. Et ce n'est pour personne, si ce n'est pour le gardien Molnar qui a Stupala à ses côtés. Mauvais choix là de Eyal Berkovic. Ah, il attendait un appel de balle en profondeur dans l'axe comme ils l'ont fait durant toute la partie. Stupala avec Christofic. Relance contrarié. De plus en plus dur physiquement. Les joueurs ont du mal à se relever. Et encore heureux pour eux qu'il fasse moins chaud qu'hier. On a dépassé les 30 degrés à Tel Aviv. Christofic en retrait. Moravchik. Christofic encore avec son capitaine. Accélération de Moravchik qui va peut-être pouvoir redresser le ballon. Ce sera un corner. Et on a aperçu un petit geste de dépit de la part de Bonnie Ginzburg qui sent que son équipe est en train de flancher physiquement. Oui, c'est une équipe qui ne peut intervenir très très haut, qui intervient en deux au dernier moment sur les attaquants slovaques. Zvara avec Moravchik et le